remercie. Hop là, rebonjour la VOD. Rebonjour la VOD. Coucou la VOD. Et salut la VOD. On est toujours du coup sur Diablo 2, hein. Toujours Resurrected, toujours en équipe, même si je traîne un peu du cul là sur cette section. Il faut dire ce qui est. Je vais suivre mon copain à appel des éléments. Je me cache, j'ai peur. Bah surtout t'es en train d'explorer un truc qu'on a déjà exploré, donc je me demande si c'est bien pertinent de te suivre. Alors non, j'ai pas exploré moi. Il y a un grand bouclier là, si ça intéresse quelqu'un pour les Michel. Ah, la quête qui s'allume là. C'est ça où? Sent le pâté. C'est où? Attends, elle fait le taf hein, la petite aura de 100% de dégâts quand on est avec le copain. Là. C'est par chemin là. Oh, on peut même pas tous les prendre, on est obligé de vous les laisser, c'est la tristesse. On sait même pas où vous êtes là. Ouais. C'est pas grave. On a vu la quête se déclencher, mais c'est tout. C'est pas là du tout. C'est pas là non plus. Et eh ben je sais pas. Je sais pas où c'est. Ouais, quand j'attaque pas, j'ai pas de dégâts. Ah, là-bas, en haut à gauche. Ouais, moi j'avais été au fond à droite, mais c'était en haut à gauche. De chair vivante. D'accord. T'es trop chargé. Ah oui, t'as pris absolument n'importe quoi. Assassin, t'es là? Ouais. Tiens, la Qatar. Pas mal, mais on peut pas l'utiliser. On a pas assez de force, ni pas assez de dex. Oh, y a pas un loot pour Michel quoi. Ah non, malheureusement. C'est quand même la tristesse. Bon bah du coup c'est fini pour cette quête des égouts avec Radamant qu'on n'aura pas vu mais qui a été décimé. Oh, il y a un charme qui est tombé là. Je l'ai entendu. Il a disparu. Alors. Je suis trop chargé. Pas très grave. Alors. Cain. Ah, le parchemin aura Dream perdu. La chance nous sourit. En plus, je suis le seul à pouvoir le déchiffrer. Voyons ça. Mm-hmm. Après avoir emprisonné Baal à l'intérieur de Tal Racha, les magiciens Oradrim ont coupé la chambre funéraire du royaume des mortels. Ces mêmes mages ont créé les bâtons Oradrim et leur ont conféré le pouvoir d'ouvrir la porte secrète de cette chambre. Ayant failli s'en faire voler un par un sorcier rogue, ils les ont divisés en deux parties. En deux. Est-ce que vous m'avez normalement oui? Oui, je t'entends. Je t'entends. Non, je crois pas. Pour okay. Plus de sécurité. Parfait. Seul un valeureux héros peut retrouver ses éléments. Une fois en possession des deux parties du bâton, assemblez-les à l'aide du cube Oradrim. Cette tâche terminée, vous pourrez pénétrer dans la chambre d'électricité funéraire ici. De Tal Racha. Merde, comment on parle? Je ne sais pas répondre à Nova Frost, au secours. Pas en ville. Bah c'est juste avec entrée. Bah ouais, non, c'est très technique. Ça ne me fait rien chez moi entrée. J'ai dû avoir un mappage à la con. Non, en même temps, quoi que je fasse, il n'y a plus rien qui s'active, donc... Impossible à faire. Comment ça?
Voilà, ça y est, je pouvais plus ouvrir mes pages de personnages et compagnie, donc ouais, voilà, et là, entrée fonctionne. À mon avis, il y avait juste un gros lag. Besoin d'un coup de main ? Super, et pourtant, le barbare et le tassin, franchement, n'importe quoi. J'ai pas entendu, Daskar. Vous partez sans nous comme par hasard, juste pour looter, hein. Ouais. Bah, dépêchez-vous aussi, au lieu de faire les boutiques, là. Je sais pas, j'essaie de trouver la meuf pour rendre la quête là, tu permets? Je crois qu'on l'a déjà rendu. Atma, elle est juste devant le bar qui est à côté de Ken. Je la vois, mais j'y ai parlé, elle m'a rien dit. Qu'est-ce que c'est, bordel? Scandale. Ah oui, d'accord, fallait juste que je lui parle pour que ça ferme la quête. Parfait. Bonjour. J'ai piqué un charme Mendes, yes. À mon avis, c'est un pourri, il te l'a laissé exprès, il savait que c'était nul. C'est pas, c'est un charmeur dégâts de foudre. Non, il l'a reconnu, il l'a reconnu au bruit. Tomber. Oula. C'est moi qui balance les trucs. Excite pas. Trident là, ils peuvent peut-être utiliser ça le trident là, les mecs là. Oui, ils peuvent, ouais. C'est un peu de la merde, mais non. Ah, moi j'ai perdu Josiane. Bon bah écoutez, ça va être une première, on va aller chercher un Michel. Voilà. C'est un madness sur un Michel. Tiens, ah mais on pourrait la ressusciter. On va la ressusciter du coup. Pas de Michel aujourd'hui. Déception. Ah, je me souviens de ces saloperies électriques. Hein. Est-ce que vous êtes entré dans le tombeau de Pierre ? Non. Non. Ok. C'est qui Pierre ? Merci. Oula. Non, c'est bon. Ça va aller. Visiblement, toi, oui. Ouf. Non, je suis pas entré, je suis juste à côté, mais il y a un barrage de gilets jaunes déguisés en agents EDF. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qui nous balance de l'électricité, voilà. Ah bah, l'IA est morte. Vite, il y a des charmes, oh, son cadavre, vite. Non, les charmes, ils sont dans l'inventaire. Par contre, l'or est intéressant. C'est un speed. Si tu veux, tu as 4195 or qui traîne. 4000 balles. Tout ça, c'est intéressant. Allez, speed. Prends-le, c'est intéressant. Bah, moi je le prends. Oh. C'est moche. Tu veux qu'on te fasse un portail? Je vais récupérer des oreilles. Je veux bien, ouais. Tiens, je t'ai fait un portail. C'est bon, j'ai posé l'argent. J'ai rendu l'argent aux abonnés. Alors. Tiens, attends. Attendez, il y a trop de portails là. Égout, désert, Karn. Prends le mien. C'est celui de Karn, ouais. Regarde là, t'as ta thune là. Cours avant qu'on la prenne. Oh non. En revanche, le cadavre il a disparu. Quoi? Bah non, on le voit là. Non, il est là. Je le vois sur la carte. Je vais entre les deux. Il est sous les cadavres. Tiens, je me mets, il est là où je suis. Ah yes. Un pec. Bingo, je vous suis. Alors moi je vais rester avec mon petit nécromancien. Ce qui me booste. Parle, tu cours devant comme une fouine. Mm-hmm.
Voilà, on donne tout ce qu'on a sur les urnes. Je pense que c'est important. C'est comme ça que tu trouves des charmes. Hein. Exactement. Ça et les tombeaux pas ouverts dans les catacombes que les gens laissent. Ah mais il y a la sortie là-haut, je crois. Donc, techniquement, hein, on devrait laisser celui qui a le plus de chances de trouver des objets magiques ouvrir les tombeaux. Hein. Ça, il faut voir le truc des personnages et la petite flèche sur la droite. C'est à ton écran de personnage tout en bas à gauche, là. Quand tu l'ouvres, t'as la petite flèche au milieu. J'ai le portail. Et là-dedans, t'as le nombre de pourcentage de chances d'obtenir des objets magiques. Et je suis à 56%. J'ai le portail des pèlerines avec une grotte en face de moi. Je vois pas où t'es. T'es où bon, le barbare. Go. Oula. Ça l'a non, moi j'ai 44% pour l'or, mais objet magique, j'ai rien. Alors t'as dit la feuille de personnage après la petite flèche statistique avancée. Moi je suis à 9% de chance. Je suis à 5% de chance. J'en connais un qui a ramassé tous les. Et je suis à 100% de réduction de poison. Et 11% pour. Il y a les catacombes des morts ici, mmh. Les couloirs des morts. Là, il y a eu un ah bah c'est ça qui nous intéresse. Putain, c'est l'enfer à buter ces saloperies. Ouais, c'est pas idiot le petit portail de sécurité. Vous êtes rentré hein? Oui. Ah. Et ça manque d'une petite flèche qui dit vos potes sont par là. Quoi. C'est vrai. Tout le monde est là? Non, moi je suis pas là encore, je vais prendre votre portail parce que j'étais okay. Sur un champion, du coup j'ai pas réussi à suivre le mouvement. Bon du coup il nous manquerait quoi? Il nous manquerait un paladin et puis une amazone. C'est ça. Yep. Mais sérieux, du coup, t'as quoi pour avoir autant de recharges de magie là? Qui ça? L'IA. Ah, pour les objets magiques? Ouais, t'as. J'ai des topazes serties dans mon armure et dans mon casque. Ça me fait 18 et 18. Ouais, donc tu t'es vraiment bardé de topazes du coup, c'était bien ça. Ouais. Mais d'où est sorti-t-il donc? Et ça, mais il y a aussi autre chose, j'ai une bague avec 9% de chance d'objet magique. Et une autre bague avec 11% de chance. Ah la vache. Mais elles sont venues plaisir. Elles sont venues du stuff de la sorcière. Ça. Ah bah voilà, en plus il cède, bravo. Ah bah ouais, écoute. Donner à poil. Ah ah ah. J'ai entendu... un charme tombé, mais merci. C'était peut-être une tunique. C'est pour ça en fait que t'as le son super fort quand tu live. Pour repérer juste les charmes. Pour entendre les charmes qui tombent, quoi. C'est impressionnant. En revanche, moi, je veux bien vous filer les joyaux. Ça intéresse quelqu'un. Attends, c'est le fight au niveau du dessous là. Un joyau plus 2 aux dégâts minimum. Ah bah ouais, plus 10% d'or supplémentaire. La topaze est disparue. Ouais, on peut leur mettre qu'une seule malédiction, ouais, ouais, c'est ça que c'est ça l'arnaque. Ah, bien. Ah oui, tu peux pas. Faut que tu choisisses par rapport à ceux que t'as en face de toi quoi. Dommage, j'aimais bien l'idée de leur mettre des dégâts et puis après de leur mettre. De faire en sorte qu'ils se fassent auto eux-mêmes des dégâts.
Qui c'est qui a laissé traîner un charme majeur par terre? Si vous faites pas d'efforts. Non mais on te les laisse, comme ça tu les compiles et après on les récupère sur ton cadavre. Avec des oreilles. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas où vous êtes. Bah on est descendu au niveau du dessous en fait, je crois. Ah oui, c'est là-bas. Okay. Chercher un truc au sol, mais non, c'est sur les murs. Eh ouais. Oula. Le lag qui me refait revenir dans le temps là. Peut-être que je change un jour ce... mon équipement aussi, ça pourrait être pas mal. J'ai le portail. Wow, on se calme les gens. Lucine, t'as pris le portail? Non, j'étais en combat là. D'accord. J'y arrive. Je sais pas où. Ici il y a une porte. Ici il y a une porte. Et ici il y a un portail, parfait. Hop là. Merci. J'ai chopé une petite armure jaune, 49 de défense, il n'y a que 27 de force. Et ça fait récupération rapide après coup, plus 1 point de vie, plus 3 mana et résistance foudre. Ça intéresse quelqu'un? Ça m'intéresserait moi. Merci. C'est pile poil ce que j'ai, 27 de force. Bon bah je laisse à Speed. C'est moi Speed. Bah oui, c'est Speed qui le propose. Bah justement, je laisse pour qu'il me passe. Ah. Donne-lui le signe. Je t'ai pas vu si tu l'avais posé par terre. Non, je voulais mettre à côté de toi pour te la filer. Mais je sais pas où t'es. C'est par là. On est descendu au niveau du dessous peut-être. Ouais, c'est bon. On est là, voilà, t'es là aussi. Pourquoi je peux pas la ramasser? T'es sérieux? Ah putain, j'ai une petite merde. Ouais! Merci. C'est bien urbain. Ça se sert tout seul. Je pense qu'il est mort. Qui est mort? La sorcière. Ah, merde. Ah, mais j'ai plus de parchemin. Elle a pas beaucoup d'or. C'est bon, je vais dire ça. Ah, écoute, elle a que. Elle a que 1132. Ouais, mais. Alors, bah, après du coup, que tu l'aies ramassé ou pas? Non, sans ramasser. Ah bah non, bah elle est venue à pied finalement. Tant pis. J'ai rouvert un portail pour rien. Je suis extrêmement déçu. C'est pas grave, c'est gratuit le portail. C'est gratuit tant que t'en as, après c'est payant. Non, c'est gratuit parce que tu vas te servir de, toi, Speed. Que t'es riche. Le tirage, ah oui. Tu as acheté pour tout le monde. Ah, il y a un coffre là. Ça va pouvoir. Wow, c'est quoi le délire là? Ah, lui même là. Du coup, Matt, c'est toi qui faut ouvrir le portail, le coffre. Ah, t'entends plus. Il s'est mute. Ouais, il en avait marre de nous. De toi. C'est encore plus triste. Pourquoi je me balade avec ça, sérieux? Bon bah...
Ouais, Matt, il a dû avoir une urgence. Il a dû avoir une urgence stagiaire ou un truc du style. Je lui fais un portail comme ça, il va pouvoir revenir directement dessus. Merci. Touk touk touk. Je vais me devenir riche. Pur. Ah, Matt de retour. Yep. Et qu'est-ce qu'il fallait? Portail niveau 3. Je t'ai fait un portail pour que tu prennes ton cube. Ah, c'est déjà le cube, hein. J'ai pas de place. Alors tenez, il y a ça. Ça éventuellement on peut virer. Ok. Et le cube, il est là. Donc voilà, bah dans cet épisode direction le bâton et le manche du bâton, enfin le bout du bâton. Une amulette, je crois que ça s'appelle. Une amulette, exactement. Alors maintenant qu'on a le cube, on va pouvoir fusionner quelques trucs. Ça marche ça. Ouais. On va faire ça maintenant. Par contre, je sais plus comment ça marche déjà. De quoi le cube ? Ouais. Faut que tu mets 3 gemmes de même type dedans et il t'en fait une mieux. Ah oui, c'est ça, ouais. Globalement, après, tu peux mettre aussi 3 amulettes, il t'en fait une aléatoire et 3 anneaux aussi. 3 anneaux, il te fait une amulette aléatoire et 3 amulettes, il te fait un anneau aléatoire. Et puis les potions violettes aussi, tu peux faire 3 petites potions violettes, ça te refait une grosse. Il me semblait qu'il y avait un moyen de faire des potions violettes, mais c'est peut-être mon cerveau qui... Non, ça, t'as raison, il y a un moyen, mais je me rappelle plus, c'est rouge bleu avec une gemme, je crois. Ouais, c'est ça, avec des potions classiques et une combinaison spéciale. Bien. Journal des quêtes. Très bien. Bon bah, quand vous êtes chaud, vous dites. Bah moi, je suis toujours chaud, hein. Hop là. Moi, je vide un peu mon stock et puis après c'est bon. Mado, on t'a perdu ou t'es là? Apparemment, on l'a reperdu. Peut-être passer à la dague pour... Ah, tu m'as perdu en mute. Ouais, non, je vous attends. Je vous attends en haut de l'escalier. Ah, tu sais déjà où aller? Je sais pas, mais je pense que c'est par là. Faut qu'on prenne ton portail, du coup? Ouais. Loin de la Vierge. Ah, c'est pour Amazon.
Moi, j'ai cru que c'était une potion de vie supérieure, mais pas du tout, c'était une vougue. Crâne abîmé. Ouais. À tes pieds. C'est juste qu'il n'y avait plus de place dans l'inventaire. Sinon, tu ne l'aurais pas vu. Tu l'aurais peut-être entendu si tu l'aurais fini. C'est ça, exactement. Ah non, parce que j'ai coupé le son du jeu pour pouvoir être avec vous. C'est beau cette abnégation. Putain mais... Allez là, ça suffit un peu. Quand même. Une rune. Bon bah c'était pas là. Ok. Il y a un truc en bas là, à gauche. En bas à gauche. C'est peut-être celui qu'on a déjà fait. Couloir des morts. Bon. C'est qu'on a déjà, déjà fait. Ouais. On en vient, ouais. On en sort. On en sort. Bon, faut que je passe à la dague, je crois. C'est la baguette là. C'est vraiment de la merde. Faut dire ce qui est. Bon, vous me laissez un portail si vous trouvez l'oasis. Bien sûr. Pour qui nous prends-tu? Voilà, apparemment on a trouvé l'oasis ou en train. Un portail contre un charme dégâts de feu. Ok, ça marche. C'est bon, j'ai trouvé. Tu ouvres le portail pour l'oasis. Ouais. De punaise là. Ça coûte ta nécromancie, tu la tires comme la peste. Bah c'est toi qui charge dedans hein, c'est pas ma faute. Ah non c'est bon, moi je suis quid, je peux m'avoir. Mais ça t'empêche pas de charger dedans. Non, j'envoie des boules. Trouvé. Il a repère du verre. Des serviteurs ici. On cherche le TP ou pas? Ouais, je pense. Ah, cette électricité de l'enfer là. Résiste à la magie. Ah merde. En plus, il y a des punaises qui arrivent en masse. C'est la saison des punaises, je crois. Il y a des mouches plus. Michel, tu viens m'aider ou pas? Qu'est-ce que tu branles? Ah, dans le couloir du verre, il reste coincé derrière les portes et tout. Non, ah, mais là, on est au milieu de la zone. J'étais juste en train d'essayer de taper sur un boss, mais vous êtes tous cassés, donc du coup, je vais me casser aussi. Ah, j'ai crash. On est en haut. Putain, il me poursuit ce connard. Il est où? On a perdu notre ami d'Ascar. Ah, merde, j'ai le portail, moi. Hop. Si c'est une dague, c'est ça que je voulais. Parfait. Petite dague. Je vous ai fait un TP. Un TP, tu dis. Hop. Alors... Karn.
Merci. On a plus de mana, c'est ça que vous me dites? Ah, du coup, on va pouvoir aller au truc du vert. Daskar, je te laisse mon TP, comme ça t'aurais plus qu'à le prendre pour prendre le portail. Tiens, Daskar, je t'ai laissé le charme à côté du coffre. Ça marche, ça marche. Pourquoi tu lui as laissé un charme? C'est moi qui ouvre le portail. Ah, alors attends, ça change tout. Hyper vexé, quoi. Ça change tout. Hyper vexé. Quoi, mais c'est faux, c'est moi qui ai fait le portail. Bah, appel des éléments, t'es parti où? Bah, j'ai crashé. Ah, t'as été crashé, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est Nova qui s'est fait buter. C'est moi qui ai créé le portail pour l'Oasis. Ouais, moi j'ai créé le portail pour le portail. Ouais, bien sûr. Y'a un portail par là. Des portails partout, je crois. C'est la teuf des portails, quoi. Faut prendre le mien si vous voulez être sur le téléporteur après. Après, faut prendre celui de Matt pour être devant le trou du verre. Alors attends. Hop. Sauf que moi j'ai pas mon charme. Ouais, bah du coup je l'ai repris. C'est uniquement. Moi ce que je sais, c'est que j'ai ouvert un portail. Après. Moi je veux le portail pour qu'il soit dans l'Oasis. C'est ce qu'il avait demandé. Repère du verre, ah, vous êtes entré dedans. Non, on est devant. Ah. On attend tout le monde. Et là, je suis dans le repère du verre, c'est Nova qui a ouvert un portail. Okay. Ah, c'est Nova qui était dedans, d'accord. Tenez, Nova. Alors attendez, battez-vous. Voilà, il y a un charme qui est tombé, hein, vous l'avez pris. Bah non, on n'a rien vu. Il a sauté, il est à l'entrée du... À l'entrée de l'Oasis, là. Dans le truc des verres. Ouais, c'est horrible la visibilité dans cette zone, hein. J'avais pas souvenir que c'était à ce point-là. Ah bah, appuie sur G, tu vas comprendre. Ouais, non mais c'est exactement ce que j'ai fait du coup. Mais j'arrive même pas à avancer, sérieusement. Oui, bon, monsieur le signe, là. Je suis coincé aussi. Avancez un peu s'il vous plaît. Ouais, j'aime pas trop moi être entre le signe et Daskar, j'aime pas trop cette position. Oh t'inquiète hein. C'est la meilleure position possible. Ah, un espace un peu plus dégagé. Ouais, là l'idée c'est d'essayer de couvrir parce qu'on pourra pas tous passer dans les couloirs. En revanche, il y a plein de couloirs. Plein. Le signe, tu peux te décaler que je fasse le tour. Quoi ? Je fais rien là, j'étais dans le bloc là. Ah non, c'était la sorcière, pardon. De dos, je croyais que c'était toi. J'ai une dague maintenant. Je me balade la main levée en l'air. Ouf. Au secours. Au secours. Ah, les trucs électriques dans les couloirs aussi. Ah, c'est oh la vache, les vers des roches, ils ont une sacrée gueule maintenant. Hein. J'aime beaucoup. Un petit squelette histoire de rajouter un peu de bordel. Oula, 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 oula. Au secours. Je peux pas bouger, il y a la sorcière. Je peux même plus aller prendre le portail. Ouf. C'est bon, c'est tout. Je peux pas bouger, il y a un druide. C'est trop serré cet endroit, c'est pas possible. Ah, j'avoue qu'en multi c'est tendu comme zone. C'est vrai que tu te dis, je pensais qu'on passait à travers les gens, mais en fait absolument pas. C'est vraiment un truc de fou. Moi j'aime bien parce que vu comme c'est un petit endroit, bah mon boule de feu fait une droite, donc c'est bon. Ouais, la boule de feu elle est bien dans ce thème. Bah tiens d'ailleurs, on a de la résistance à la foule, on va peut-être... Waouh, on se calme sur les PV là. Poison, en plus ils font des dégâts magiques, hein, c'est abusé quoi.
bon. Des potions. Yep. Alors, bah, j'avoue que là, on balance une petite malédiction de dégâts et après tu balances des boules de feu dedans, ça fait bien le taf quand même. Évidemment. Putain, il y a du monde. Ah, le problème du coup, c'est que c'est un peu moi qui tank, hein. C'est pas vraiment mon taf. Bah, c'est normal non plus. Ouais, mais non, mais derrière, même les péons là, ils restent coincés derrière nous, quoi, du coup, vu qu'ils sont derrière comme des cons. C'est parce qu'ils ont trop mangé, c'est pour ça. Il y a un bouclier à pointe là avec deux chats s'il y en a qui veulent. Bon, merci. Je pense que c'est ce qui nous manque dans le groupe maintenant, c'est un paladin qui peut tanker. Ouais, j'aurais peut-être dû écouter ma première envie et faire un paladin finalement. Et j'aime bien le nécro, est marrant. Par contre, on clique tellement n'importe où qu'on ramasse bien de la merde aussi. J'ai reculé d'Ascar si tu veux. Bah, t'inquiète, mettre dans hein. L'angle que je puisse passer. Non. Tu ne passeras pas. Il fallait juste assez de place pour lancer les boules de feu. Pas un petit peu de vie, non, pas un petit peu de vie. C'est terrible. Complètement paumé dans ces couloirs. Oui, pareil. Ah, la sorcière au milieu du chemin. Ouais, mais elle se téléporte. T'as une potion violette qui traîne en bas si tu veux. En bas du couloir. Je suis tout en haut du coup. Attends. Oh, bon, c'est pas grave, hein. Je prends une potion violette près. Bon, bah, vu que je suis fatigué, je vais en profiter pour arrêter la VOD là. Du coup, si vous voulez dire au revoir la VOD. Ciao la VOD. Au revoir la VOD. Ciao la VOD. Et merci d'avoir suivi.